Salut à tous, c'est Déborah, votre coach de fitness. Me voilà de retour pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, nous allons faire un HIIT en cardio 30-30. On va démarrer par l'échauffement. Je mets la musique et c'est parti. Allez, on marche sur place. Est-ce que vous êtes en forme? Oui! Moi, je pète le feu. Allez, inspirez, soufflez. On fait un petit échauffement de 5 minutes à peu près. Après, je vais vous montrer les 6 ateliers que j'ai prévus. Il y aura des options sans sauter et des options en sautant. Allez, pour ceux qui peuvent sauter, on fait un petit jogging. Allez, soyez souples sur la réception. Des petits sauts. Gardez toujours les genoux dans l'axe des pieds. On maintient ses abdos. Allez, tape vos fesses. Écarte, tire les coudes. C'est parti. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, change. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, on remarque. Allez, on tourne les poignets. Change de sens. Change.
6. Et ici, on va faire des ding-dong, d'accord, des petits chassés. Ici, hop, hop, hop. Allez, essaye avec moi. Ok. On essaye d'aller le plus vite possible. Tout cela pendant 30 secondes. Si tu ne peux pas sauter, ok, on fait des ouvertures et des fermetures. Deuxième exercice. Ici. Hop, tu poses tes mains au sol, les mains dans l'axe des épaules. Première option. Hop, hop, hop. Pareil. Tu fais le ding-dong, ok. Ici. Si tu ne peux pas sauter, si tu peux sauter. Ok. Soyez pas trop en avant, juste un peu à l'arrière. Hop. Gardez la ligne bien allongée. Donc ça, c'était le deuxième exercice. Troisième. On écarte ici. On referme nos pointes. Hop. Ici, ayez les pointes de pied un petit peu vers l'extérieur. Chaque fois, on est souple. Ça, c'est la version rapide. Ok. Version sans sauter. Hop. Tu fais les touches devant. Ok. On alterne. Droite-gauche. Quatrième. Sans sauter. Ici, tu montes le genou à étirer, expirer. Hop, on allonge. Ok. Pour ceux qui peuvent sauter. Hop. Ici, quand vous allongez, essayez de pousser la jambe derrière, d'allonger la colonne vertébrale et de bien amortir au sol. Donc, il y a un sautant sans sauter. Premier coup, on se mettra la jambe droite en l'air. Deuxième coup, la jambe gauche en l'air. On alterne droite et gauche sur les quatre tours. Ok. Deuxième exercice. Donc, ici, sans sauter, ça fait marche, marche, fente, reviens. Marche, marche, fente, reviens. On alterne à chaque fois le pied. Le pied qui démarre, c'est celui qui va faire la fente. C'est pas grave si vous vous mélangez. Ok? En sautant, nous on fait saute, saute, fente. Saute, saute, fente. Ok? Pincez la fente. Les genoux, la jambe bassin parallèle. Le genou ici. C'est le genou, la jambe parallèle au sol, le talon levé. C'est le genou de devant que je voulais dire. Ne dépasse pas la pointe. On maintient les abdos, on a le dos droit. Ok? Allez. Donc, dernier. Des petits déplacements sans sauter, genoux. Marche, marche, genou. Marche, marche, hop. 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 Nous, on peut sauter. Tac, tac, tac. Pam, pam. Ok. Allez. Vous avez le choix. En sautant, sans sauter, à vous de voir. On part en 30-30. Je lance le chrono. Donc, l'objectif est de faire le plus de répétitions, d'accord? Allez, on part avec le ding-dong debout. Allez, c'est parti. Allez, expirez, souffle. Allez, allez, on y va. Nadine, si tu peux pas sauter, tu peux, tu fermes en revenant ensemble. Allez, allez. Allez, expirez, souffle. On tient, on tient. Mettez les mains comme ça, comme si vous teniez un volant. Amortissez bien. On relâche, on récupère. On a 30 secondes. D'accord. Inspirez, faites-vous de l'air, soufflez. Je mets le chrono en ma vue. Ici, comme ça, je vole. On va dans 15 secondes pour le sol. Ok. Je récapitule. Pour ceux qui ne peuvent pas sauter. Ok. Ceux qui peuvent sauter. Tchac, on prend les dents. Attention, on y va. C'est parti. Allez, respire, souffle, on y va. Allez, allez, repoussez-vous bien sur vos mains. Respire, souffle. Allez, allez, creuse le ventre.
Donc, pour ceux qui ne peuvent pas croiser, on avance et on revient. Ok? Essaye d'aller vite. Ok, maintiens tout ensemble l'abdominal, attention pour le dos creux. Et nous, hop, hop. Ok, tu prends ton tapis.
sûr. Elle va partir, on va la faire. Oula, je commence à avoir les gouttes. Est-ce que ça va à la maison? Oui. Allez, c'est les croisés ouverts. Thank you.
chez moi. Mais vous pouvez crier à la maison. Allez, ding dong, au sol. Allez, continuez, respire, on souffle. Toujours, pas le bidou droit, bidou creux. Tu le sais. Allez, option 1. Option 2. Allez, j'espère que tu joues à option 2. Option 3. Hop, je rigole. Allez. Allez, allez. Respire. Tu réduis pas.
si tu as le droit. Allez, récupère ton souffle. Est-ce que tu es prêt? Oui? Allez, top, c'est parti! Allez! Allez, plus vite! Respire! Les abdos, épaules basses, tiens le dos droit! Après, on fait le retour.
J'ai changé la musique. On y va. Croise les doigts, on étire. Montez, montez haut. On relâche. On croise le bras devant. C'est d'abaisser l'épaule. On relâche le même bras derrière. Tirez le coude. Et on change. Gardez le bassin fixe, n'amenez pas le bassin avec. On change derrière. On relâche. On croise les doigts. Ici, on va serrer les omoplates. Pousser la poitrine vers l'avant. Montez un petit peu les bras. Hop, on relâche. On revient de face. On tourne. Dans l'autre sens. Allez, on va reculer. Ici, le pied derrière. Pensez à bien reculer. C'est vraiment pour étirer les mollets. Gardez bien le dos droit, le menton droit. On change. Allez, pensez à ne pas creuser le dos. Ici, on serre le fessier avec une rétroversion de bassin. Aspirez le nombril. Allez, on revient. On étire un petit peu les cuisses. Hop, olé, olé. Déverrouillez la jambe de terre. Aspirez le nombril, les deux genoux serrés. Et on lâche. L'autre. Et on relâche. Si vous souhaitez recommencer la série du retour au calme et du stretching, vous pouvez. Pour moi, ça s'arrêtera là. Je vous remercie d'avoir suivi ce cours. J'espère que vous êtes donné à fond, mais je n'en doute pas. Je vous remercie de me suivre pour chacune de mes vidéos, ainsi que pour les retours que j'ai sur Internet, Facebook, YouTube. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Bisous à tous.